Un artiste quitte le Canal d'Or. Je lisais encore quelques jours sur le réseau juste pour rigoler. Il disait qu'il ne va plus jamais tourner avec un artiste qui n'a pas au moins un Canal d'Or. C'est bien ça, Moustique? Ah, il était dans mon modèle pour dire les ouais qui est interdit. Tout ce qu'on dit sur Facebook, c'est ça qui est là. Le Canal d'Or, c'est quoi? C'est vraiment un ouais comme ça, un titre, le véritable titre, c'est la valeur qu'on a. Oui, bien sûr. C'est chacalisé et tout, voilà. Bien sûr, Moustique le charismatique. Alors, on vous a reçu, bon, on t'a reçu à l'émission UbanTube, à la radio, tu étais là. On a discuté ensemble, c'était quelque temps justement après ton mariage. Ouais. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette aventure avec nous à la radio? Moi, le souvenir que je garde de cette aventure à la radio, c'est déjà un souvenir mémorable parce que j'ai vu en face de moi un groupe de jeunes passionnés, déterminés et qui matérialisaient justement la philosophie moustique charismatique, c'est-à-dire moustique avec des petits moyens, on fait des choses qui impactent. Ouais. Donc, j'ai vu des petits frères qui ont commencé pratiquement sous mes yeux. Je voulais voir devenir des grands et me retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce magnifique concept-là. Pour moi, c'est une fierté et un honneur. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. On aura bien sûr l'occasion de t'avoir encore sur un de nos plateaux pour la saison 4. Mon frère, c'est vrai, sauf que là, à chaque fois que le devoir m'appellera, je viendrai parce que je crois que c'est notre devoir d'apporter la lumière qu'on a reçue par vos grands frères pour Vous la transmettre aussi. Exactement. Il y a également autre chose que tu as décidé de transmettre, c'est bien sûr de partager la visibilité que tu as, également ton talent pour pouvoir dénoncer et même accompagner certaines personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles. On l'a vu avec le soutien à toutes les personnes qui ont été violées. Ça s'est passé sur les réseaux, récemment avec ta dernière vidéo, que certaines personnes n'ont pas compris. Il y a quand même un message qui se dégage, c'est ce soutien que tu donnes à ces causes nobles, notamment celles des enseignants. Bah, le devoir d'un artiste aussi, c'est ça. On va bien servir du divertissement, ouais. Mais à part le divertissement, il faut laisser des enseignements et marquer son empreinte. Je crois que le jeune garçon d'hier est devenu un papa aujourd'hui, un parent. Ouais. La société dans laquelle je vis, s'il faudra la conserver pour l'avenir de demain, il faudra bien apporter sa pierre à l'édifice pour la construction des mœurs saines. Voilà, donc je pense que parler de viol, parler d'abus de pouvoir, parler de mauvaise gouvernance, parler de tout cela, tout en gardant la même tonalité humoristique, c'est de mon devoir citoyen. Donc à chaque fois que cela se fera, moi, ce sera toujours un honneur. Merci beaucoup, Moustique le charismatique. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, je vous invite à l'applaudir très fort, Moustique le charismatique. Voilà.